de 5 litres par minute, en combien de temps la baignoire sera-t-elle remplie, sachant qu'elle a une fuite et que de l'eau s'échappe à un débit de 5 décilitres par minute? Mais pourquoi est-ce qu'on complique la vie avec des fuites? Moi, si ma baignoire fuit, je prends une douche et puis voilà. Simon, tu peux m'aider, s'il te plaît? J'ai un problème avec la fuite. Bah, appelle un plombier. Un plombier? Mais Simon, je te parle de mon problème de maths. Simon! Dis donc, ça a l'air de te passionner, les teckels à poils courts. Mais, en fait, c'est... Si être amoureux de ma sœur te met dans cet état, tu ferais mieux de lui avouer. N'importe quoi, je ne suis pas amoureux, hein. Et de toute façon, je n'ose même pas lui demander l'heure, alors... lui dire que je l'aime... Si tu n'oses pas parler, écris. On va lui faire une belle lettre où tu lui dis que tu l'aimes depuis toujours, que c'est la plus belle, des trucs comme ça. Elle va craquer, c'est sûr. Oh non, Jean, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mais si! Bon, alors, mon amour... Oh non, bon, c'est pas très original, ça. Mon amour adoré. Oh, c'est bien, ça, non? Martine, tu veux prévenir les garçons que je suis prête pour les amener à la piscine? D'accord, maman. On fait une petite pause, patapouf. Semblable à deux soleils, tes yeux brillent et étincellent de mille feux. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je mets ça. En plus, ça rime. Ah non, non, Jean, je t'assure, c'est vraiment pas une bonne idée, cette lettre. Piscine! Hein? Oh. Ah oui, c'est vrai. On finit notre problème de maths. Et on descend. Jean, c'est vraiment gentil de vouloir m'aider, hein. Mais je crois que je suis incapable de déclarer quoi que ce soit à Martine. Tu es sûre? On va, tant pis pour toi. Je te le jure. Oh, je n'y comprends rien. Ta sœur vient de me donner rendez-vous pour qu'on parle d'amour. Tu vois, finalement, c'est peut-être elle qui va te déclarer sa flamme. Merci d'être venu, Simon.
J'ai trouvé une lettre dans la chambre de Jean. Une lettre d'amour. Ah oui, mais en fait c'est... Inutile de nier, Simon. Tu étais là quand il l'a écrite. J'ai tout compris. Jean est amoureux. Hein? Tu es l'ami de Jean. Tu dois l'aider. Ce qui revient à m'aider. J'ai besoin de savoir de qui il est amoureux. Tu es forcément au courant. Oui, bien sûr. Jean est amoureux de Sabine. Jean est amoureux de Sabine. Merci. Jean, Martine a trouvé la lettre. Et ben voilà, le tour est joué. Pas vraiment, parce que elle croit que c'est toi qui es amoureux. Quoi? J'espère que tu lui as dit que ce n'est pas vrai. Il aurait fallu que je lui dise que c'était moi qui avais écrit la lettre. Enfin, toi, mais de ma part. Alors, j'ai préféré lui dire que t'étais amoureux de Sabine. Quoi? De Sabine? Mais t'es fou. Je ne suis pas amoureux de Sabine. Oh, d'un côté, elle est gentille, Sabine. Hein? Mais c'est pas la question. Il faut absolument que tu ailles dire la vérité à Martine. Mais pourquoi? Après tout, c'est toi qui as voulu écrire cette lettre. Je t'ai toujours dit que c'était une mauvaise idée, hein. Oui, mais c'est toi qui lui as dit que j'étais amoureux de Sabine. Tu aurais dû lui dire que tu ne savais rien. Bon, je vais essayer d'arranger ça. Peut-être lui parler. C'est pas toi qui disais. Il souffrira tant qu'il ne pourra pas vivre son amour. Je parlais de Jean. Moi, je n'oserais jamais parler à Sébastien. Attention pour les habits. Je vais lui dire que Jean est amoureux d'elle. Surtout pas. On gâcherait tout. Non. Il faut faire ça avec romantisme, subtilité. Jean pourrait lui offrir des fleurs. Ça, ce serait romantique. Bah non, c'est trop banal. L'idéal, ce serait qu'elle tombe malade. Malade? Mais pourquoi? Pour que Jean lui apporte ses devoirs chez elle. Ça marche à tous les coups. D'ailleurs, je crois que Julie a une potion infaillible à base de yaourt pourri. Ah, parce que le yaourt pourri, tu trouves ça romantique et subtil, toi. Voilà. Il faudrait qu'elle se casse quelque chose. Mais c'est monstrueux. Toi, tu lis trop de romans d'épouvante. Faut savoir ce qu'on veut. Bon. Alors il n'y a plus qu'une solution, le sauvetage. Sabine est en danger, Jean la sauve et elle tombe amoureuse. Rapide, simple, efficace. Et s'il n'arrive pas à la sauver? Encore mieux, elle se casse une jambe. Non. On va rester dans le classique. On l'invite à un goûter à la maison. Et on se débrouille pour les laisser seuls. Bien vu. Martine, il faut que... Ah Simon, tu tombes bien. On a une mission pour toi. Simon, pourquoi tu parlais à Sabine? Moi? Pour rien, je l'ai juste invitée à un goûter mercredi prochain. Chez toi? Chez toi. Quoi? Alors non seulement t'as pas dit la vérité à Martine, mais en plus t'es dans ses combines. Eh bien, vous allez être très déçus mercredi, parce que moi, je ne serai pas là. Je comprends pas. J'ai cherché Jean partout, impossible de le trouver. Et son vélo n'est pas dans le garage. Ne t'inquiète pas, Martine. Il va bien finir par rentrer. C'est bizarre. D'habitude, il ne sort jamais avant d'avoir fait ses devoirs. Et là, il n'a même pas ouvert son cartable. Elle
préparer à la maison si tu veux. En plus, je crois qu'il y a un goûter qui nous attend. C'est gentil. Simon, c'est le roi de cœur que je t'ai demandé. Mais en fait, c'est... Les voilà, ensemble. Sabine a eu un petit accident. Je vais réparer son vélo. Mes freins ont lâché dans une descente. Jean m'a sauvée. Mais c'est dingue que tu sois aussi fan de basket. On pourrait s'entraîner ensemble. Je suis pas sûre d'être à ton niveau. Mais c'est bien, comme ça je progresserai. Tu vois, je te l'avais dit. Sauver d'un danger, ça marche toujours. Tu avais raison. En tout cas, je suis bien contente du résultat. Bah, c'est vrai, quand on aime quelqu'un, c'est bête de ne pas lui avouer. Tu as tout à fait raison, Martine. Et d'ailleurs, moi, je voulais te dire que je t'ai aidée et j'en suis très fière. Vous ne savez pas par hasard où Sébastien fait du vélo? On ne sait jamais. Peut-être que ses freins ne sont pas solides. Tu vas quand même pas les saboter.